Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Épisode 8 de RE4. Alors finalement, je reprends une heure, voire une heure et demie après l'épisode 7. Je vous avais dit que c'était pas sûr que je continue à jouer le soir même. Finalement, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, je me suis requinqué, je suis moins énervé. Parce que franchement, cet épisode 7, ce fut compliqué entre les bugs que j'ai eu avec mon PC. Enfin bref, on va pas y revenir. J'étais un petit peu énervé. Là ça va mieux, je suis redescendu. Donc alors, là il est actuellement 22h13. Je vais jouer jusqu'à 23h à peu près et puis j'arrêterai. Alors on était rendu au château, rappelez-vous. Bien. Bon, j'avais rien à vendre, j'avais tout fait avant d'arrêter, je crois. C'est ça. Est-ce que je peux... J'ai que 8 cartouches de pompe. Mais écoutez, je vais me crafter des cartouches de pompe. Ouais. Ouais. Cartouches de pompe. Et est-ce que je peux me faire des munitions de mitraillette ? Malheureusement non, il m'en faut 6 et j'en ai que 4. Ok, bon. Visitons le château. C'est lugubre. Ah ah. Ça me dit quelque chose là. Soyez les bienvenus dans mon château. C'est un plaisir de faire enfin votre connaissance, Monsieur. Oh la gueule ! Kennedy. Ok, vous êtes qui, au juste ? Moi. Je vous en prie, appelez-moi Ramon. Mais la gueule ! Permettez-moi d'aller droit. La gueule qu'il a ! J'aimerais que vous me remettiez cette demoiselle sans discuter. Maintenant. Ça risque pas, Ramon. Cette demoiselle reste avec moi. Monsieur Kennedy. Monsieur Kennedy. Comme c'est noble. Néanmoins, voyez-vous, nous avons besoin d'elle. Avec cette jeune fille comme source, les États-Unis, que dis-je, le monde entier sera inondé par sa grâce. Car telle est la volonté de mon maître. Sa sainteté, Lord Sadler. Alors, vous allez obéir, n'est-ce pas? Jamais! C'est pas moi qui l'ai dit. Comme c'est regrettable. Faites que notre invité se sente chez lui, maintenant qu'il a choisi la mort. Il parle bien, quand même. Mais par contre, il a une sale gueule. Bonjour messieurs. Léo. T'éloigne pas. Ouh là, ils sont nombreux. Ça dégage. Aïe aïe aïe, enculé. Mais ils sont combien, bordel? Mais what? On peut pas parer, non mais... Oh la blague de cul, quoi. Bon, c'est compliqué. C'est tendu. C'est tendu. Soyez... Oui, oui, soyez bienvenus, on a compris. Attention les yeux. Quoi? Oh, j'ai fait sauter Ashley, bordel. Eh franchement, Ashley, elle me gave. Elle est tout le temps là, comme une conne, elle reste sur place. Agarrados.
enculé. Ok. T'es blessé? Regardez là. Non, non mais c'est chiant. Pourquoi t'es obligé de la lever? Elle peut pas se lever toute seule. Ah. Qu'est-ce donc? Boîte avec serrure carrée. Ok, très bien. J'y penserai. Eh bah, ça s'annonce compliqué. Ça s'ouvre pas. D'accord. Ah, faut que je passe par là. Ok, très bien. Super. Oh oh. Alors attendez, je vais d'abord fouiller les environnements là. Bon là c'est fermé. Évidemment. Il faudrait qu'on passe de l'autre côté. Là, fermé. C'est fermé. Il doit sûrement y avoir un autre accès vers la cour. Là du coup, c'est par l'escalier qu'il va falloir passer. Ok, très bien. Ah ah, une herbe jaune, parfait. Oh bah j'ai de la poudre. Ouais, mitraillette. Parfait. Putain, par contre, c'est un bordel monstre dans mon inventaire. Laisse tomber, toi. Je vais prendre le... Ah non, c'est bon, j'ai le couteau de cuisine. Mais j'ai aussi le couteau de botte qu'il faudra que j'utilise. Allez, ma petite Ashley. Attends. J'ai besoin que tu m'ouvres de l'intérieur. Ouvre-moi de l'intérieur. Mon PC okay. Me stresse. Merci. Oui, mais c'est encore bugué, j'ai l'impression. Non, c'est bon. Ah, franchement, ça me stresse. Ça a l'air bon, mais je suis pas rassuré du tout. Mon PC ne me rassure pas, les mecs. Le flacon de parfum chic. Ah bah voilà qui fait plaisir. Alors oui, pareil, le Magnum, je l'ai pas mis dans les raccourcis là. On va le mettre là. On doit sans doute pouvoir continuer par là. Sois prudent. Putain, mais le château, comment il est glauque. Pardon ? Une herbe rouge, parfait. Nul ne s'échappera. J'ai de nouveau été réveillé au beau milieu de la nuit par ces bruits effroyables provenant du sous-sol. Les bruits des griffes contre les murs, de pierres accompagnées de grognements glaçants. Cet homme nourrit une telle haine qu'il pourrait détruire le monde.
Il savait autrefois le seigneur du château en tant que bourreau, tout comme son père et son grand-père avant lui. C'est l'un des héritages les moins prestigieux de la famille Salazar. Même au sein de sa famille, il était différent. Il aimait sincèrement son travail et il le faisait bien. Il était doué pour torturer les autres. Son habileté ne tarda pas à attirer l'attention du maître. Et lorsqu'il l'amena dans les cachots... Non, je ne peux pas écrire cela. C'est au-dessus de mes forces. Je refuse de me rappeler ce qu'il s'est passé là-bas. Il en va de ma santé mentale. J'ai reçu l'ordre de m'occuper de lui. Je dois le nourrir et nettoyer la crasse, son caca en l'occurrence, tout en écoutant cette voix sordide chaque nuit. Je n'en peux plus, j'en ai assez. Je ne peux tolérer une nuit de plus dans le château. Je partirai demain aussi loin qu'il le faudra pour ne plus entendre ses voix. Bon, bah, je pense que le gardien, c'est lui. Ou alors c'est lui. Le pauvre, c'est pas une belle mort. Bon, bah je pense que le gardien, c'est lui. Là, il me faut une clé. Alors, l'ennemi qu'on entend là, je suis persuadé que c'est le mec qui est aveugle, mais qui entend tout. C'était quoi? Il y a des animaux ici? Il est bizarre ton animal. Putain, c'est glauque. Mon dieu. Oh. La lumière est perdue. Bon, là j'ai tout ramassé, parfait. Ah bah oui, bien sûr. Préparez-vous les gars, ça va chier. On va voir, mais il entend tout. Je le sens pas. Mon Dieu! Je l'ai eu. Parfait. Ah, j'ai mon chat qui veut rentrer. En plus, je pensais à lui. Je reviens, les gars. Attendez, j'en ai pas pour longtemps. Je suis là. Ne partez pas. Attendez, je m'installe. Parce qu'en plus là, dites-vous que j'ai ma petite couette sur moi. Hein, Kage? Je sais pas si vous entendez mon chat, il miaule là, il discute. Hein, Kage? Il était beau. Je vous l'ai déjà dit que j'adorais mon chat plus que tout. C'est mon meilleur ami. Bah franchement, je suis bien là en munitions.
Et vous savez quoi les gars, c'est décidé, quand je termine le jeu en normal, je le refais avec vous en hardcore. Ça va être dur. Long et dur. Ashley? Oui, c'est moi, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai tué un mec. Rien. Et t'avais raison pour les animaux. C'était une grosse bête. Elle est pas bien achetée, là. Ça va. Du moins, pour l'instant. J'entends une statue, là. J'entends une petite statuette. Elle est par là-bas. Ah, je l'ai vue. Ah oui, regardez, on voit sa tête là. Je parie que c'est ça. Vous êtes prêts? Et boum! 4 sur 16. On est bien. Ouais, on est très très bien. Et vous savez quoi, vu que je suis quelqu'un de gourmand. Hop. Voilà, comme ça on est encore mieux là. Putain, franchement les décors sont stylés hein. Ah mais il y a beaucoup plus d'épées là. Alors attendez. Est-ce qu'on a une énigme? Est-ce que je peux avoir un indice? Ne peut pas servir à combattre. Donc si cette arme-là ne sert pas à combattre... Mais il me manque une épée là. Ok. Je pense que c'est ça. Et là, il faut que je trouve l'autre pour la mettre ici. Mais je sais pas où aller. Bon, c'est exactement le même puzzle que dans l'original, qui est totalement facile d'ailleurs. Je sais même pas si on peut considérer ça comme un puzzle. Sauf que là, il y en a beaucoup plus. C'est beaucoup plus intéressant. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est ça. Ça veut dire qu'avant, ici, se trouvaient des tableaux qui ont dû être déplacés. Donc on a des tâches. Donc c'est juste un détail, mais voilà. Moi je le dis.
impossible. Mais comment tu veux ? Attendez, mais qu'est-ce que j'ai raté là ? Qu'est-ce que j'ai raté, bordel ? Ces bombes en tirant dessus. De quoi ? Ça là ? Fallait juste faire ça, non mais c'est une blague. Ça sert ça ? Certainement pas à combattre. C'est seulement une réplique. J'ai tout ramassé là ? Ok. Bon, du coup, j'ai les 4 épées. Alors. Épée tachée de sang. Donc ça, ça va là, c'est sûr. Ça, ça va là, c'est sûr. Épée rouillée, elle va là, c'est sûr. Et l'épée tachée de sang va là, parce qu'il est en train de poignarder un mec. Et voilà ! Ah les gars, mais je suis tellement fort. Putain, mais sucez-moi là, tous. Je vais sortir mon gros sexe. Oh ! Putain, j'ai paré le serpent, ça l'a tué. Mais incroyable les gars. Mais quel talent. Quel talent. Un bracelet en or. Attends. C'est la même pièce que tout à l'heure, non ? On a dû tourner en rond. Pardon ? Ah, c'est un serpent. Mais c'est pas un serpent, ça ? Non, c'est un espèce de cerf. Merde. Ça, c'est un raccourci. Là, on a un oiseau. Mais qu'est-ce qu'il prend ? Surtout, essaye pas de faire ce que je fais. Ah, le serpent est là. Ça va pas ou parfait. Quoi ? Sauter sur des chandeliers. C'est quoi cette idée ? Tu te prends pour ma mère ? Tu te prends pour ma mère ? Bon, par contre, ça me paraît bizarre que je puisse tirer sur les... Attendez. Me laisse pas mourir comme ça.
sablier doré. Ok, c'était juste pour ça au fait. Du coup, l'échelle est là. Attendez, j'ai pas la clé là. Non, j'ai pas la clé. On est à combien là? 25 minutes. Je vais pas tarder à couper. Pardon? Les gars, je suis dedans là. Ça sert à rien de faire ça. Ça sert strictement à rien ce que je viens de faire là. Bon. Je me casse. Ok. Bon, bah vous savez quoi les gars, je fais un cut ici. Oh, je les sens pas les statues là. Ouais, je kiffe le château. Bien, bah, je fais un cut les gars et puis je vous dis à tout de suite. Re les gars. Allez, on continue. Alors là, pour cette deuxième partie de l'épisode 8, il y a mon chat qui a décidé de venir dormir sur mes genoux. Et en plus, le mec. Oui, mon chat est un homme. Salutations. Il me pousse mon bras parce que le mec veut se caler quoi. Prêt à livrer la fille. Putain, ça faisait longtemps. Je me suis permis d'organiser un petit divertissement rien que pour vous. Oui. Sans plus attendre, voici l'histoire du preux chevalier qui protège la princesse. De quoi il me parle? C'est moi le preux chevalier qui protège la princesse? Oh oh, le raccourci, magnifique. Oh oh. Des endroits partout. Il existe des parasites capables de contrôler leur hôte. Bien que ce soit un fait bien connu de la plupart des biologistes, on ne sait pas grand chose sur la façon dont ces organismes opèrent. Voici une liste de plusieurs de ces parasites. Dicrocalium. Lorsque les larves de ce parasite migrent vers le gland guillon nerveux sous l'œsophagien d'une fourmi, ils altèrent son comportement. Quand la température baisse le soir, pendant les heures de pâturage, la fourmi infectée grimpe au sommet d'une plante et s'accroche à une feuille à l'aide de sa mandibule dans l'intention d'être mangée. Le galactosomum. Les larves de ce parasite se logent dans le cerveau de certains poissons, comme la céréole. Une fois infecté, l'animal remonte à la surface de l'eau, où il nage jusqu'à se faire dévorer par des oiseaux marins. Leucochloridium. Les sporocystes de ce parasite se développent dans les tentacules oculaires de l'escargot, où ils bougent comme des vers. Ils altèrent le comportement du gastéropode et le forcent à se déplacer vers le sommet d'une plante pour être bien en vue des oiseaux. Une fois avalé par un volatile, le parasite termine sa métamorphose et passe au stade adulte. Parfait. J'ai mon chat qui me regarde en mode putain, mais pourquoi il parle tout seul devant un micro? C'est fermé, super. Demi-tour, Ashley, demi-tour. Passons par là. Fais attention. Eh B. Regardez les cons là-haut là.
Voilà, le divertissement. Le divertissement commence. Va-t'en ! Ça s'arrête jamais. Eh, hey, dégage! Viens! Ça marche! Mais il est pas mort! Vite! Vite! J'ai eu peur. Je pensais que j'avais tué H. Oh le con! Ça dégage! Oh oui, les deux. J'ai eu les deux. Aïe, Elsta. Oh non. Ça dégage. Parfait, est-ce que j'ai tout fouillé là? Suis-moi, Ashley, suis-moi. Alors attendez, est-ce que j'ai des fourmis dans les pieds là? Oui, Kage, désolé. Hop, c'est bon, allonge-toi, fais ta vie. Tu peux dormir, c'est bon. Il fallait juste que je m'installe correctement. Alors, à quoi ça sert, ça? Ok. Raté. Apprends à viser, grenade. Il y a du monde. Bonjour, messieurs. Oh les cons! Vite Ashley, vite! Magnifique! Non, non, non! T'es sérieux? Oh la mitraillette! C'est parfait quand même! J'ai pas de flash. Ok. Attention les yeux. Boum. Magnifique. Oh non non non. Parfait. Bon, par contre, les munitions de la mitraillette, ça part vite. Hein. Putain, mais il faut combien de clés là? Ok, c'est bon, j'ai le volant doré. Et moi je viens de là, ouais. Donc ça, ça va me permettre de remonter, je pense. La faucheuse.
Aïe. Non. 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 Mais je peux plus, je peux rien faire. J'ai plus de vie, mon Dieu. Oh merde. Il est mort. Il est mort. Mais putain, mais laissez-moi tranquille. Mais putain, mais... Mais c'est pas possible! J'en ai marre! Mais d'où il sort lui? Où est-ce qu'il est le Texan? Il est là! Mais j'en peux plus! Regardez-moi ça! Mon Dieu! Non mais là en hardcore c'est... Et je sens que si je le fais avec vous en hardcore, les mecs, préparez vos oreilles. C'est pas possible, tu as crevé, oui! Merci, enfin! T'es blessé? Ça va, merci. Super, t'as réussi. On n'est pas encore tiré d'affaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La musique est cool, hein. Oh non, je me rappelle... Oh, mais putain, comment je vais faire sans le sniper, là? Bien. Ok. Ça va être tendu. Ça va aller? Ouais, je vais y arriver. Léo! Je te couvre, n'arrête pas! Ok. Au suivant. Prends pas de risque. Ok.
Regardez-moi ça! Tiens bon, je vais t'aider! Oh merde! Sans rancune. Suivant. C'est tellement pas précis. Mais regardez-moi ça, je suis dedans, quoi. Et je suis dedans. Mais... mais je suis dedans, mais... c'est tellement aléa... mais regarde... mais what? Mais... pff, non mais les gars, mais vous avez vu ça? Sérieux, est-ce qu'on est d'accord? Il y avait un mur invisible. Il y avait un putain de mur invisible. Je ne pouvais pas toucher le mec. Je voulais tirer à travers là. Mais non mais c'est... non mais... les mecs, sérieux quoi. Je vais être gentil mais à un moment donné... C'est un peu too much là, non, tu crois pas? À un moment donné faut pas se foutre de ma gueule quoi. Ça va aller? Ouais, je vais y arriver. Je te couvre, n'arrête pas. Tiens bon, je vais t'aider. Suivant. Mais elle meurt pas, c'est pas possible! Cours Ashley, cours bordel! Mon dieu, c'est chaud. Ok, reviens. Allez Ashley, on se casse de là. On se casse. Eh bé. T'es blessé? Ça va, merci. C'était tendu.
Je kiffe bien les environnements quand même. Non, me dis pas que c'est fermé encore. Ah! Viens! Attends! Dépêche-toi, Ashley. Merci. Hey. T'es sûr que ça va? Ouais. Ça a pas l'air. Ça a l'air d'être ici. Ça va? Je crois. Au lieu de t'inquiéter pour elle, inquiète-toi plutôt pour toi. Pauvre. Mais what? Petit agneau. Retiens-toi, mon enfant. Ashley. C'est Lord Zadler, il la contrôle. Mais c'est nouveau, ça aussi. Bah voilà, j'ai plutôt terminé. Bah je pense que les gars on va pouvoir s'arrêter là. Je vais voir si on a une cinématique. Et puis on va pouvoir mettre fin à cet épisode. De toute manière là il est 23h14. Condor 1 aperçoit. C'est la merde. On s'est. C'est la merde. Dans un château, mais j'ai été séparé des glones. Aperçoit, j'entends mal. Tu me reçois? Bon. Est en route. Et merde! Y'a rien qui va. Bon. Attendez, je vais juste aller voir le. Parce que. On a un marchand là. Oh oui. Étranger. Ah, ça, je te le fais pas dire. Alors, du coup. J'ai rien à sortir. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Clé des cachous. J'ai la poche. Je vais pouvoir la vendre. Chez ok. Toi. Bienvenue. Je vends. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Vipère. Le prix, par contre. Vas-y, c'est je vends. Nous qui le décidons. Boum. Merci. J'ai encore quelques petites nouveautés qui pourraient t'intéresser. Je vois ça. Ah, oh, mon dos me fait souffrir. Oh, le Mathilda. C'est le poids des années qui se fait sentir. Ouais, bon, je m'en fous du Mathilda. Est-ce que Mathilda. Ce si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille ouais. D'améliorer tes armes. Oh. Ma marchandise est en parfait état. Je te le promets. Mais non, je vais pas le prendre. Quoique, allez, si je le prends. Ne t'en fais pas. Je propose également un service de réparation. Ok. Un couteau a et besoin. Et du coup, je vais améliorer mon. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Allez, le Magnum. Et voilà. Comme tu l'as demandé. Et le rechargement. On voilà, j'arrête. Bien. Je garde le reste. Veux, alors, du coup, le gilet pare-balles, ça prend combien de place? Ah, ça prend pas de place dans l'inventaire. Oh, c'est parfait. Par contre, je vais pouvoir, au passage. Ouais, je vais faire ça. Ensuite, je vais me crafter des flashs.
Hop. Ensuite, cartouche de pompe. Je peux pas. Je peux pas. Bah, je vais les garder. Je vais tout garder. Quoique 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, je suis à 9. Merde. Bon, bah, on va rester comme ça. Et du coup, c'est cool parce que le gilet pare-balles se voit sur Léon. C'est un détail, mais j'aime bien. Bon, est-ce qu'on peut sauvegarder ici ou pas du tout? Ah, là. Voilà. Bon, et bah du coup, les gars, on va se laisser là pour cet épisode 8. Et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et salut tout le monde.